Cora est enchaînée dehors, dans le froid, en compagnie d'un chien qui devient son ami, Noiro. Ensemble, ils préparent une évasion. Quant à Magua, il est fait prisonnier par Œil de Faucon et ses amis. Magua promet de les guider jusqu'au village où Cora est retenue. En réalité, elle marche dans le froid, affrontant la neige et le vent. Horriblement amer. Oh. Il y a des gens qui sont tellement cruels. Oh, peut-être pas tout compte fait. Toi, tu as une jolie petite frimousse. Tout va bien, calme-toi. Je n'ai pas l'intention de te faire mal. Voilà. Tu es libre. Tu peux partir. Va-t'en. Va retrouver les tiens. Toi, tu as de la chance. Tu as retrouvé la liberté. Redoublons de prudence. Je n'ai pas toute ma tête. Mais s'il y a des pièges de tendus, il doit y avoir des chasseurs. Le problème est de savoir s'ils seront accueillants ou non. Mais ça, sans les avoir vus, je n'ai aucun moyen de le deviner. En revanche, il me faut un abri au plus vite, sinon je ne m'en sortirai pas. S'il vous plaît, il y a quelqu'un ? Vous m'entendez ? Il y a quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Magua nous fait tourner en rond, j'en ai la certitude. Il a dit encore une journée. Si nous trouvons votre fille, demain, il aura la vie sauve. Dans le cas contraire, il sait ce qu'il attend. Je ne donne pas cher de sa peau. Oh, je suis mort de froid. Pourquoi n'ai-je pas gardé ma jolie peau d'ours bien chaude? Ma pauvre Alice, vous tremblez de froid comme une feuille. Tout va bien, Duncan. On va faire une halte. Non, pas encore. Soyons réalistes. Le colonel Munro n'est pas au mieux de sa forme et Alice commence à être gagnée par le froid. Non. Et toi, avance, maudit huron. Alice, que se passe-t-il? Vous n'êtes pas blessée? Non, je ne pense pas. Oh, Duncan, regardez! Oh. J'adore cette bonne odeur de cuisine. Biche Blanche, veux-tu remettre une bûche sur le feu? Tiens, nous avons de la visite. Bonjour, mes amis, et bienvenue dans mon humble taverne, et qu'importe qui vous soyez. Mon cher monsieur, un accueil aussi chaleureux et autant surprenant qu'inattendu. C'est un vrai plaisir que d'entrer dans votre taverne. Rapprochez-vous de ce bon feu et venez vous réchauffer. Je crois que vous en avez tous besoin. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi juste. Pardonnez-moi de vous tourner le dos, mais dans mon cas, ça ne changera rien. Vous ne serez toujours que des ombres. Hein? Oh,
Dois-je sortir la viande séchée du garde-manger? Je te remercie beaucoup, biche blanche. Nos visiteurs doivent être affamés. Vous n'êtes pas né aux Amériques, vous venez de France, semble-t-il. C'est exact, mon ami. Je m'appelle Jean-Pierre Dupont. Et bien que cela ne me regarde pas, mes chers amis, je trouve que vous formez un groupe plutôt étrange. Des Indiens de deux tribus différentes, hein? Des Européens, des chasseurs, des soldats, un Anglais très distingué, et pour couronner le tout, une délicieuse jeune demoiselle. Comment? Oh, monsieur, c'est son passe-temps favori. Il fait le coup à tous nos visiteurs. Elle a raison, cela m'amuse. Vous n'imaginez pas ce que les oreilles d'un aveugle peuvent entendre, soit dans le pas d'un homme ou dans les cabrioles d'un jeune garnement. Et vous n'imaginez certainement pas, monsieur, ce que les parfums de cette viande sont en train de faire sur nos estomacs affamés. Un dîner de prince. Que dis-je, un dîner de roi? Votre amicale et chaleureuse taverne, mon cher monsieur Dupont, est un havre de paix et de calme dans ce territoire peuplé de brutes et de truands. Professeur, vous avez tout à fait raison. Chez vous, la guerre semble être un lointain souvenir. Malheureusement, la guerre est là, tout autour de nous. Mais une chose est sûre et certaine, si quelqu'un ose mettre les pieds dans ma taverne pour se battre, je le mettrai dehors immédiatement. Vous avez ma parole. Je n'ai aucun doute là-dessus. Vous leur feriez même sérieusement mal. Pour tout vous dire, durant les mois d'hiver, nous avons très peu de visiteurs qui s'arrêtent. Mais dès que la rivière n'est plus gelée, ma petite taverne marche à merveille. C'est toujours plein. Et tous ceux qui décident de s'arrêter ici peuvent être sûrs et certains d'une chose. Dupont ne regarde jamais ni la couleur de l'uniforme, ni la couleur de la peau. Et pas seulement parce que je ne vois pas mieux qu'une taupe. Ça a l'air charmant. Ah, on va enfin pouvoir se réchauffer les pieds. Oh. Mes amis, bienvenue dans ma modeste taverne. Peu m'importe qui que vous soyez. Mais... Aubergiste, je te crois volontiers quand tu dis ça. Je te croirai encore plus quand il n'y aura plus personne dans ta taverne. Plus personne. Moi et les chiens, les rats, les putois et les cochons. Vous avez pas remarqué qu'il y a une drôle d'odeur ici? Ouais, l'odeur des sauvages. Hé, jetez un œil dans le coin. Il y en a un qui est attaché comme une bête. Je vais te dire pourquoi. Regarde-le un peu, tu vois bien qu'il doit mordre. On ne peut pas faire confiance à un chien. Jamais je ne vous permettrai de traiter un... Colonel Monroe, il n'y a aucune raison de prendre la mouche. Ces messieurs ne font rien d'autre que de plaisanter. Je me trompe? Eh non, vous ne vous trompez pas. Vous avez le sens de l'humour, mon cher. Mes amis, prenons place et asseyons-nous tranquillement. Quel comportement révoltant! On a tous plus ou moins des jeux idiots. Ils vont peut-être se calmer, enfin, je le souhaite. Hé, hey, face d'ange, pourquoi tu ne leur dis pas où se trouve la porte de sortie pour qu'ils dégagent? Je reconnais que tu es une masse de muscles, mais vois-tu, ton cerveau n'est pas plus gros qu'un haricot. Hé, hey, plutôt genre petit pois. Ces hommes sont nombreux et dangereux. Il faut les cueillir par surprise, idiot, quand ils auront le dos tourné, sans qu'ils s'y attendent. Si tu le dis, et on pourra avoir quelque chose de chaud pour faire fondre la glace à l'intérieur. Rusty, je peux savoir ce qui t'arrive? T'as vu le diable? Si le diable a cette tête-là, je prends un ticket sur le prochain bateau pour l'enfer. Ah! Je peux savoir ce que tu fais ici, ma belle? Je vis ici, c'est chez moi. Quoi? Tu veux me faire croire que toi et ce vieillard, vous êtes... C'est très chaud. Ne t'en va pas aussi vite. Une bonne serveuse doit servir ses clients, c'est la tradition. Ah. Petite biche blanche, dis-moi, est-ce qu'il y a des problèmes? Non, papa Jean-Pierre, il n'y a aucun problème. Oh. Il n'y a aucun problème. Hé, hey, monsieur l'aubergiste, j'ai une proposition intéressante à vous faire, une bonne affaire. Que diriez-vous si je vous débarrassais de cette jeune fille contre les fourrures que j'ai sur mon traîneau qui est devant la porte? C'est une proposition que vous ne pouvez pas refuser, hein, grand-père? Voyez-vous, jeune homme, je me lève rarement de ma chaise, mais cette fois, je n'ai pas le choix. Papa Jean-Pierre, sois sage. Vous ne bougez pas, cette affaire ne vous regarde pas. Alors, grand-père, je n'ai pas eu de réponse à ma petite proposition. Petite biche blanche n'est pas à vendre, ça c'est le point numéro un. Alors maintenant, le point numéro deux, un détestable ver de terre de ton espèce n'est même pas digne de lacer ses mocassins. Ah. Vous avez du cran, grand-père, mais je crois que... Ah.
Vous allez le laisser tranquille. Toi, tu dégages. Toi, tu... Plus un geste. Jeune homme, vous n'avez aucun sens de l'honneur. Alors maintenant, vous prenez la sortie, sans oublier vos chers amis qui ne valent pas plus cher que vous. C'est la meilleure, monsieur. Comment pouvez-vous me parler d'honneur alors que vous m'agitez un sabre sous la gorge? Bon, assez discuté. Cette plaisanterie n'a que trop duré. Ah. Que vont-ils faire? Une vieille tradition. Duncan! Le major a un très joli crochet du droit. Je suis désolé de vous avoir défiguré, face d'ange. J'espère que vous garderez de jolies cicatrices et bon voyage! Messieurs, bonne fin de journée. Il faut partir d'ici au plus vite. Munka, Cora est certainement dans un village. Elle est bien au chaud. Nous la libérerons dans très peu de temps. Ils nous ont ridiculisés. Ne t'en fais pas, on va leur rendre la monnaie de leur pièce. Ça va leur tomber dessus très vite, et crois-moi, ça va faire très mal. Je te garantis qu'ils s'en souviendront longtemps. Qu'est-ce que je vais faire? Et quelle direction dois-je prendre pour m'en sortir? Je ne peux pas tenir une journée de plus. Je ne vois aucune solution. Je n'en suis pas si sûre. On peut dire que j'ai de la chance. Cet endroit est au sec et en plus c'est propre. Ces aiguilles de pin sentent tellement bon, un vrai bonheur. Ne t'inquiète pas, ma petite biche, je vais très bien. Occupe-toi de nos invités. Il est extrêmement fier. Il ne supporte pas que quelqu'un l'aide. Mais il m'a chargé de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Honnêtement, nous l'avons fait avec beaucoup de plaisir. Vous savez, il n'a pas toujours été comme vous le voyez là. C'était un homme d'une force et d'un courage extraordinaire. Et puis le voile de la nuit est descendu sur ses yeux. Depuis ce triste jour, il passe ses journées entières assis près de la cheminée. Vous devez être très fier de lui. C'est mon père. Enfin, pas mon vrai père, mais c'est ce que l'on ressent l'un et l'autre. Il a été soldat dans l'armée française. Mais un jour... et les Hurons ont attaqué mon village. Ce fut terrible. Les hommes égorgés, les tipis détruits. Le feu avait tout ravagé. Ah, c'est insupportable. Il m'a sauvée d'une mort certaine, et il m'a protégée comme si j'avais été sa propre fille. Suite à ces événements, il a décidé de construire cette taverne où chacun pourrait trouver la paix. Les hommes blancs, les Indiens, les Français, les Anglais. C'était sa taverne. Il s'est endormi devant la cheminée comme d'habitude. Il vaut mieux ne pas le réveiller. Suivez-moi, je vais vous montrer où vous allez pouvoir dormir. Wow.
Vous l'avez cherché. Oh, papa Jean-Pierre! Des torches enflammées! On descend tous! Il faut sortir d'ici au plus vite! Non, surtout pas! Ils n'attendent que ça! Allez, sortez de là! Ça m'étonnerait qu'ils tiennent encore bien longtemps. Ils préfèrent certainement finir dans les flammes. Ils n'ont peut-être pas envie de se faire trouer la peau. Est-ce qu'on peut sortir par derrière? Non, il y a quelque chose de plus efficace, mais par contre, il faudra m'aider à transporter Monsieur Dupont. Vous pouvez compter sur moi. Duncan, aidez-moi. Bonne idée. Il n'y a aucun moyen de sortir. Mais si, suivez-moi. Une couche de neige cache la sortie. Bien. J'arrive pas à croire que ces andouilles se laissent enfumer. T'es sûr qu'ils peuvent pas sortir par derrière? Pauvre idiot, tu me prends pour qu'il n'y a même pas une fenêtre. Mais comment ils peuvent faire? Passe un geste, sinon je tire. Tiens, je me demande idiot, qui y a bien quelqu'un nous parler. Ça vient d'où? Ça vient d'ici, juste derrière vous, messieurs. Comment avez-vous fait? Au moindre mouvement suspect, on tire. Oh. Papa Jean-Pierre, c'est terminé. Nous sommes libres. Je ne le répéterai pas. Jetez vos armes. La femme blanche va mourir maintenant. Descendez. Il a raison, occupez-vous d'Alice. Laissez-moi partir! Il m'a eu! Lâchez-moi! Oh non! Tu étais quelqu'un de bien, papa Jean-Pierre. Et ton dieu d'amour te fera entrer dans son paradis pour l'éternité. Il a toujours rêvé d'un endroit sur Terre où les hommes ne se battraient pas, non? Mais hélas, ce genre d'endroit n'existe pas sur cette Terre. Enfin, pas pour l'instant. Nous devons y aller. Plus nous attendons, et plus ce sera difficile de retrouver Magua. J'aimerais vous accompagner, si c'est possible. Si vous m'acceptez. Je n'ai plus rien qui m'attache ici, désormais. Je ne suis pas contre, mais il faut y aller. C'est un sac de nœuds tellement je souffre. Et si je ne mange pas quelque chose au plus vite, je ne m'en sortirai pas. Il faut que je retourne me protéger. Et il faut que... Je crois bien que tout va s'arrêter sur ce chemin.
Onka, mon amour. Oh, ma jolie petite boule toute blanche, je ne m'attendais pas à une si surprenante visite. Non, ne me laisse pas seule, ne t'en va pas, reste avec moi. Je ne veux pas mourir toute seule dans cette neige, je veux... Come.